Vita, merci d'être passée dans le Superstore. Bah, c'est un plaisir. Ça fait super plaisir. T'es là, ici et maintenant. Ouais. Parce que c'est le titre de ton album aussi. Super blague de Michel Drucker. Et donc, est-ce que tu joues un peu à la console? Moi, je joue pas beaucoup, mais je regarde beaucoup les gens jouer. Mon chéri, déjà, en particulier. Donc, il joue toute la journée. Donc, sans jouer, je connais, quoi. Mais d'accord. Je joue pas trop. Et il joue à quoi? FIFA, j'en peux plus de FIFA. Je connais tous les commentaires par cœur. Et GTA 5 qui m'a traumatisée. Et puis, j'ai un grand écran chez moi. J'arrive pas, ce jeu me traumatise. Il est complètement fou, ce jeu. C'est vrai? Et mais... t'as jamais envie de prendre la manette? Ah non, mais en GTA, encore moins, je trouve. T'as l'impression que tu vas prendre. En jouant, il va t'arriver un truc. C'est fou, ce jeu, tu sais. C'est immersif. Ah ouais, il me dépasse, ouais. Il te dépasse. Et toi, dans ta jeunesse, t'as jamais joué? Si, par contre, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup. Bon, à l'ancienne, genre Nintendo, tout ça. Je jouais beaucoup, genre les jeux d'aventure, tu vois, Donkey Kong, Sonic, les trucs comme ça, j'aimais bien. D'accord. À l'ancienne. Voilà. Et Street Fighter, un peu, j'aimais bien aussi. Street Fighter. D'ailleurs, il y a encore Street Fighter. Bien sûr, il y a encore Street Fighter. On en est au Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Donc voilà, depuis la jeunesse, on a eu à peu près 15 épisodes. T'es en train de me dire que je suis un peu à l'ouest. Ah ben non, pas du tout. Et justement, dans ton album, ici et maintenant, il y a un titre qui s'appelle Game Over. Exactement. C'est bien ça. Featuring avec Gims. Ouais, Game Over. Me dis pas, c'est pas... Ouais, on a fait un clip en référence un peu aux jeux vidéo, c'était mon idée. Et bon, c'est un peu un clash entre lui et moi. Voilà, mec, meuf qui combattent, quoi. Et je trouvais que c'était marrant dans le clip de faire comme si on se lance un battle. Ouais, parce qu'on voit, il y a des écrans un peu virtuels, ouais, etc. C'est une inspiration jeu vidéo. Quoi. Pas. Les gens sur le net ont dit, mais c'est quelle application? Et il y a des gens qui vous ont demandé, ouais, vraiment. Mais les gens regardent tout, hein, tu sais, les captures d'écran et tout. Et donc, ouais, voilà, c'était vraiment le concept, c'était un jeu entre nous, Game Over, et c'est moi qui gagne à la fin. Dans ton album, on retrouve un autre featuring avec Amel Bent, ouais, cette fois-ci. Ouais, c'était aussi une volonté de ma part pour cet album, vraiment de me faire plaisir et d'inviter des gens que je respecte et avec qui j'ai envie de travailler. Et Amel, c'est parti de Twitter. En fait, il y a beaucoup de trucs qui parlent de Twitter sur mon album. Et c'est vraiment les gens qui nous sollicitaient tout le temps, toutes les deux, à quand une collaboration? Donc moi, j'ai répondu pourquoi pas. Et elle a tout de suite dit quand tu veux. Tu sais, les gens qui se hashtag. Et c'est parti de là. Elle est venue en studio, elle m'a laissé écrire le titre, tout composé, elle m'a laissé carte blanche, elle était adorable. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une super belle histoire et c'est une très belle chanson de l'album. Donc les gens kiffent le morceau, donc ce sera peut-être un single. Et donc, en ce moment, t'es en tournée un petit peu en province, tout ça? Voilà, on est en train, donc là, on est en province, on va un peu partout rencontrer les gens pour la sortie de l'album. Et puis, on va caler donc une date parisienne au printemps. Une grosse date parisienne. Voilà, je l'espère. J'ai des indices. Ouais, on sait pas, on est en train de... On l'annoncera très bientôt. Et puis, la tournée, peut-être derrière, si tout se passe bien, on est en train d'y réfléchir. Et moi, je voulais te demander sur ton prochain album, parce que j'ai plein de trucs à dire très intimes. Tu m'inviteras en featuring? Quand tu veux. Bon, ben c'est bon, voilà. Là, j'ai eu mon featuring, je suis content. Écoute, merci Vita, en tout cas. Merci à toi, merci pour tout. C'était cool. Merci, et je vous recommande à tous, ici et maintenant. Voilà. Merci. Moi, je vais aller l'écouter et je vais aller pleurer. Merci Vita. Allez, ciao.